Au début, le truc tout simple, c'était de réduire les déchets, récupérer à la déchetterie tout ce qui était récupérable en l'état et vendable. Après, on a commencé à faire un petit peu des sous, et les sous, c'était prévu pour créer des emplois. Ne pas avoir de charges et pas avoir de subventions. Donner aux gens qui viennent avec nous, les 35 bénévoles qui sont avec nous, d'être bien. Je veux dire, presque c'est un club anglais. Il faut que ça soit un club anglais où on puisse... Il y en a qui viennent boire le thé au club, et bien là, non. Il faut que ces gens, quand ils viennent, ils soient convaincus que ce qu'ils vont faire, c'est important pour les autres. Et surtout qu'ils y trouvent du plaisir, eux. C'est 34 tonnes de tissu, c'est 5 tonnes de livres. J'ai encore des trucs sur le gaz, là. J'ai en prospection le recyclage des cassettes VHS. Le triporteur tourne depuis 2010 sans jamais avoir demandé aucune subvention à personne. Ça prend sa petite vitesse de croisière. On a nos 75 mètres carrés de location qu'on remplit. On a nos petites copines qui sont arrivées. C'est comme quand on avait 14 ans, c'est les mêmes, sauf qu'elles ont 65 ans, 66 ans, mais c'est les mêmes. Donc on se retrouve en train de bosser. Chacun prend sa part de travail. Chacun fait ce qui lui plaît. Et toujours en complémentarité de l'autre. Et nous, on a 35 bénévoles. On sait que les 35 bénévoles qui sont avec nous sont motivés. Ils sont motivés par le problème des déchets, ils sont motivés par le fait d'être ensemble. Parce que ça aussi, on a un lien social qui est fort avec les gens qui bossent avec nous. Les gens qui viennent avec nous, ils viennent avec nous parce qu'ils sont entre amis. C'est ce qu'on doit à la collectivité, c'est que la collectivité, fatalement, elle nous donne. Je ne confonds pas les politiques et la collectivité, surtout pas, surtout pas. Mais la collectivité, elle fait qu'on est ce qu'on est. On fait partie. Moi, j'ai habité dans un immeuble, à l'époque glorieuse où du rez-de-chaussée de l'immeuble sur 6 étages ou 7 étages, on était les gamins de tout le monde. Ça oblige à rendre ce qu'on a donné. C'est ce qu'on doit. C'est ce qu'on doit aux autres, c'est ce que les autres nous ont donné qu'on rembourse. Ben, je leur dirais de venir nous rejoindre. Je leur dirais de venir nous rejoindre parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'obligation en fait de nous rejoindre. Mais de rejoindre des associations comme ça où on rigole, parce que le but de la manœuvre, c'est aussi d'être bien. C'est pas que les poubelles. Moi, je conseille toujours aux gens de rejoindre les associations, d'éviter toutes les associations où il y a des culs pincés. Ça, c'est le truc qu'il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Il faut faire 5 minutes et vite s'en aller. C'est bien simple. Si la première personne que vous croisez quand vous entrez dans l'assaut, elle fait la gueule, il faut repartir. C'est pas la peine de rester. Prochaine étape, ma retraite.